Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du WFC. On est très contents, très heureux d'être avec vous. Il y a une actualité qui est toute chaude. Qui sort du four. Qui date d'il y a à peu près une heure et demie. Nous, on était tranquillement à se dire, oh, on va parler du Paris Saint-Germain, on va parler un peu du Bayern qui a beaucoup de forfaits qui s'accumulent, etc. Bah non. Conseil exécutif, Assemblée générale de la Fédération française de football. Didier Deschamps reste le sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026. On va en parler en long, en large, en travers. On va aborder tous les aspects, la durée de la prolongation, tout ça, le problème Zidane et tout. Ça va être sympa. Didier Nimbo, bonjour. Salut Romain, salut Walid et salut à tous les amis qui nous rejoignent. Et je lis déjà quelques messages dans le chat. Et je pense que ça va être une très bonne émission, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est très clivé dans le chat. Il y en a qui se réjouissent de voir le sélectionneur prolongé. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui pensent que, comme Tom Flacco, là, que l'équipe de France est prise en otage. Donc, on va essayer de synthétiser tout ça et de vous proposer une émission intéressante parce que c'est vrai que c'est une nouvelle importante. Ouais. Il y aura peut-être du redit par rapport à ce qui a été dit dans les bilans de Coupe du Monde, ce qui est logique, puisqu'il n'y a pas eu de match de l'équipe de France depuis, donc il n'y a pas de nouveaux éléments, forcément. Mais c'est important de synthétiser tout ça, surtout qu'à l'époque, c'était de l'hypothétique, et là, on est sur de l'officiel. On y est. Walid Acharchour, bonjour. Bonjour Romain, bonjour Tidjani. On a pris 4 piges. L'équipe de France a pris du ferme. Walid Acharchour, une de plus, encore moi, another one. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que ça va, toi ? Oui, ça va. J'ai été malade, enfin, je suis toujours malade. Mais bon, une prolongation de Deschamps, je suis obligé d'être là. Donc, mais hier, ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué. J'ai chopé un petit début d'angine que j'ai essayé de traiter grâce à ma maman. Mais ouais, je reviens pas avec la plus grande forme, mais on va donner ce qu'on a donné. Et puis après, on partira 3-4 jours aussi. Ouais, tu vas te faire un peu… Ouais, je vais me reposer là parce que j'ai pas coupé. Et bon, on m'a dit, deux, trois amis à moi… Thomas, Tidjani, Sofiane qui m'ont dit quand même à un moment donné. Moi je t'avais pas dit moi. Tu m'as dit toi aussi ? Oui. Ah, Romain Bédoc aussi. Moi je suis peut-être pas un ami. Hein. Elton Mokolo, bon Elton veut récupérer mes piges, mais ça c'est autre chose. On ne le dira pas. Mais on m'a dit Walid, faut que tu coupes à un moment donné quoi. Donc je vais partir 3-4 jours. C'est comme Mbappé hein. C'est pour ton bien. Tu fais comme Mbappé. Exactement. T'es revenu directement après la Coupe du Monde. Exactement. Pas de pause. Voilà. Et là, puis en fait quand on a vu le premier rush qui est passé. Et je pense que c'est le bon moment. Est-ce que tu vas mettre des cagoules pour être là où tu vas. Non, je pense qu'à Marrakech, j'aurais pas besoin de mettre des cagoules. Ah, tu vas à Marrakech. Ouais. Tu pourras te fondre dans le décor sans trop de soucis. Ouais, je pense. A priori. Je pense, ouais. Mais c'est assez fou ce qu'ils ont fait quand même, ouais. De quoi ? J'ai regardé un peu sur Insta, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de fou ? Bah, ils sont mis. Je sais pas, ils ont marché comme ça avec des grandes. Bah, ouais. Bon, après, ils ont mis une cagoule, quoi. Oui, voilà, oui. Mais après, ils faisaient très froid. Hein. Ouais. Pas, ils faisaient pas à 70 degrés. Et tu penses que tu les reconnais, Hakimi et Mbappé Moi ? Ouais, en cagoule. Bah, nous, oui. De dos, tout ça et tout. Après, si tu tombes dessus, tu vois, si tu te retrouves nez à nez avec eux. Si t'es face à face. Tu peux avoir un. C'est-à-dire que quand l'image, la photo. Ils étaient quand même sans sécurité. Comment ? Ils étaient sans sécurité. Je sais pas. Ou alors ils avaient la sécurité. Ouais, un peu de loin. Mais je pense que si moi je suis en face, donc là où le mec a pris la photo quand il voit le spectacle de danse au milieu de Times Square, là, si je suis en face, je pense que je les reconnais. D'accord. T'es physionomiste toi ? Un peu. Moi je suis très physionomiste. Ouais. D'où cette capacité sur les sosies, c'est pour exactement, ça, c'est des compétences parce que croisées. Reconnaître quelqu'un de connu que je connais, que ce soit une célébrité ou un mec que j'ai déjà vu, etc., Je le refais tout de suite. Très rapidement. Ah, c'est lui. L'identification est rapide. Ouais, exactement. C'est ça, physionomiste, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Ouais. Voilà. Ouais, c'est fort. C'est un mot qui a été un peu détourné de son sens suite à ce métier qui te fait recaler les gens à l'entrée des boîtes physio. De nuit. Voilà. Il n'y a pas besoin, pour être physionomiste, d'avoir un diplôme d'arts martiaux. Tu peux être physionomiste. La qualité, l'adjectif, sans rien avoir. Il n'y a pas besoin d'avoir un goût spécial pour la mode aussi pour dire. Pas besoin de savoir faire des clés de bras. Pour être physionomiste. En fait, c'est pas souvent les gros bras, les physios. Les physios, c'est ceux qui disent aux gros bras. Bah, souvent, les deux métiers se confondent. Moi, c'était souvent une meuf qui était derrière. Lui. Mais tiens, en parlant de physio, il y a un reportage sur France 3 qui est très intéressant sur les physios et le monde de la nuit que j'ai aperçu sur TikTok.
par partie comme ça. Très intéressant. D'accord. Voilà. Je vous conseille sur France 3. Mais je suis très heureux de voir que tu fais autre chose que de regarder du foot. Grâce à TikTok. Et maintenant, c'est une maladie. Le soir, 20 minutes de TikTok avant de m'endormir. Ah ouais ? Ouais. Si c'est 20 minutes, ça va. Ouais. Même si, bon. Ça me permet de voir d'autres choses. Moi, je supporte pas quand ma copine, en fait, laisse le son et regarde des TikTok. Et moi, je suis à côté et j'entends 3 secondes de trucs sans savoir ce que c'est. Ouais. 3 secondes d'un autre truc. Je deviens fou. Ouais, c'est un zapping, c'est le zapping, quoi. Ouais, mais sans l'image. C'est un zapping géant. Vous avez passé une bonne semaine, sinon, à part ça ? Oui, ça va. Ouais. Super. Je donnais des cours cette semaine. Ah oui, c'est vrai, t'as donné des cours. Je suis devenu prof. Alors, c'est pas ce qui m'est passé ? Ouais. Au début, je m'attendais à donner des cours. Des cours de quoi ? Pas des cours de paddle, hein ? Non. 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 Des cours de pour des M2. Des cours pour des M2. Management 2 ? Non. Enfin, M2 pour Masters 2. Masters 2. Donc, d'accord. Qui font, c'est une école de com qui font une spécialité sport pour devenir voilà, faire de la communication dans le sport notamment. Et j'ai un cours de sport et médias. Ah oui, c'est bien ça. Donc, et je m'attendais à avoir une classe 25 élèves, devant me balader dans les... En fait, ils sont 8. 8 vraiment. Bah, c'est bien, c'est mieux. Un petit échange et tout, c'est hyper sympa. Ah ouais, c'est plus constructif. Ça paye, mais, c'est surtout beaucoup de boulot. C'est énormément de boulot. C'est avant tout pour le partage. Voilà, c'est la transmission, quoi. C'est énormément de boulot. La pédagogie, à un moment donné, il fallait qu'elle s'exprime. Et en préparant les cours, j'ai appris plein de trucs. Ouais. Donc, je suis très content. Ouais. Ouais. Ah, donc, en fait, toi, t'as appris... Ben, j'ai appris des trucs que j'ai pu ensuite transmettre. Ah ouais, d'accord, c'est cool. C'est parce que normalement, c'est avoir son savoir qui devrait... Non, mais on peut se perfectionner, on peut pas tout savoir. Tu vois, par exemple... Je l'ai lu à d'autres mecs. Par exemple... J'avais pas forcément une très très grande culture de tous les films de sport qui traitent du sport. Mmh. J'ai appris plein de trucs. D'accord. Mais quel genre de films de sport ? Genre Didier, À nous la victoire, 3-0. Par exemple, je ne savais pas que. Seigneur, c'est pour les films français. Mais il y a une analyse qui est très intéressante sur le fait que le foot n'a pas encore son film référence. C'est un des seuls sports qui n'a pas de film où on se dit c'est un chef-d'œuvre, il faut absolument que ce soit. La boxe a. Comme Space Jam ? Le basket a par exemple Space Jam. Moi, 3-0, pour moi, c'est mon film référence. Après... Ouais, mais c'est pas un film, c'est pas un grand film. Tu vois, le rugby avec Victus. C'est mieux, par exemple, 3-0 que Goal. Non. Ah, moi, je préfère Goal. Goal 2, c'est un classique. Ouais. Goal 2, c'est un classique. Moi, j'ai bien aimé Goal. Après, on était jeunes, ambitieux, parfois vicieux. Il fallait Mais par exemple, tu vois, on n'a pas de référence comme donc Invictus pour le rugby, comme les Rocky par exemple pour Invictus, la boxe, comme le stratège, Million Dollar Baby, le stratège pour le baseball. Donc voilà, il y en a plein de. Le baseball, deuxième sport le plus traité au cinéma. Ouais. Tu vois, je savais pas ça. C'est ouf ça. S'en fout. Les Winamis, bonjour. On est très très heureux. On me demande si je suis un prof sympa. Ouais, je suis un prof hyper sympa. En tout cas, je voulais te dire, mais t'es très beau. C'est là, c'est... Je trouve que En fait, c'est le bleu sur bleu qui... Ouais. Et t'as des compétences disciplinaires au sein de... C'est-à-dire ? C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, t'as la possibilité d'avoir des mesures dissuasives Pour le moment, je n'ai pas eu... D'éventuelles fauteurs de troubles. On nous dit Coach Carter pour le basket, oui. Coach Carter, la méthode Williams, qui est sortie l'année dernière pour le tennis, c'est... C'est chef d'œuvre. Le mec, Will Smith est oscarisé. Ah d'accord, ok. J'ai pas encore eu... besoin d'avoir des recours. Non, mais vaut mieux peut-être savoir ce que tu peux faire avant de te retrouver dans la situation. Bah, c'est facile, si vous n'êtes pas content, vous sortez. Quoi. Oui. Et puis après. Il y avait un film éclaté sur le foot aussi. Joue-la comme Beckham. Ouais, c'est pas ouf. Ça, c'était même vraiment. Même pas le compter. Ça, c'était vraiment une catastrophe. Looking for Eric, c'était pas trop mal. Ouais. Joue-la comme Beckham. Mais c'était un style un peu spécial, Looking for Eric. C'est à moitié. Genre de comédie dramatique, un peu bizarre. Moi, c'est Sofiane Zouaoui que j'aimerais bien voir prof un jour. Je pense qu'il a entièrement les capacités pour ça. Vraiment. Les aptitudes, ouais. Et moi, tu penses ? Et la dégaine aussi. Hein ? Moi, important. Tu penses ? Toi ? Ouais. Toi, j'ai hésité parce que j'ai un cours, dans ce cours-là, j'ai un moment, j'ai un truc sur les réseaux sociaux, etc. J'hésite à te faire venir. Ah, bah c'est beau ça. Ça pourrait être sympa. Ah, bah ce serait un plaisir et un honneur. Bah, j'irai pour toi. Pourquoi pas. T'auras juste à le payer avec un petit. Je t'enverrai mon RIB. Ah, voilà. Je te donnerai un coca et puis ce sera content. Ouais, voilà, ça sera très, si tu sais très bien, ce sera très bien. Tu l'emmèneras manger une bonne pita et tu seras content. Un bon kebab des Batignolles et ce sera réglé. Et ce sera réglé. On vous demande quelle école c'est l'école Sup de Com.
type de com. Ah oui, d'accord. On me demande pourquoi j'ai trois tablettes. Alors là, c'est pour tous les liners et les... Je vous dis tout. Hein. Là, c'est pour tous les liners et les sondages. Là, c'est pour avoir un retour aussi sur les différents chats, en plus de celui qu'on a là. Et là, c'est pour les cotes, quand je les mettrai tout à l'heure. Le programme de l'émission, les Winamis. Juste avant le programme de l'émission, le petit pouce bleu, ceux qui sont sur YouTube, merci d'être toujours aussi présents avec nous. Vous êtes déjà plus de 600. Il est midi, un samedi. On pense que c'est un samedi où il n'y a pas de foot, mais vous êtes là pour en parler et c'est plutôt sympathique. C'était plutôt un samedi qui s'orientait vers un samedi très champêtre, quoi. Ouais. On allait partir prendre la direction de ces fameuses contrées qu'on découvre chaque mois de janvier, des villes. Bonjour, il y a un club de Strasbourg qui joue contre Clermont aujourd'hui. Voilà, il y a le boulanger, il y a le ferrailleur, il y a le bûcheron. Qui va être la première surprise? Et ce qui est vrai, va sortir Bastia aujourd'hui. Il y a déjà Pau qui a sorti Montpellier. Évreux qui sort Bastia, ça peut être pas mal. Évreux, ça peut être pas mal, ouais. Évreux qui sort Bastia, ça peut être cool. On a Linas Montléri Lens. Moi, je pense que Linas Montléri. Linas Montléri, ils sont là souvent. L'année dernière, elle est sortie Angers. Ouais. Et donc là, on a un Strasbourg Königshofen, qui est le nom du truc en entier, quoi. Qui joue contre Clermont. Ça doit pas être très très loin. Le Puy-en-Velay Nice, Plabenegvan. Voilà, des Plabenegvan. Villeruptil contre Annecy. Ouais. Bordeaux-Rennes. Bordeaux-Rennes. Paysans. Qu'est-ce qu'il fout là, c'est fou. Hein. Ouais. Le programme de l'émission, donc on va parler de cette Coupe nationale, on va parler des Bleus. Didier Deschamps qui prolonge, on va le faire en deux temps, déjà l'annonce. On se posait la question si c'est mérité aussi. Ça sera dans la deuxième partie où on se mettra aussi sur la durée de la prolongation de Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps ne prolonge pas jusqu'en 2024. Didier Deschamps prolonge jusqu'en 2026 pour 4 ans. Donc c'est un nouveau projet pour Didier Deschamps et pour l'équipe de France. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose? Est-ce qu'on peut avoir un projet de jeu qui va naître, puisqu'il y a 4 ans maintenant? Donc là, il y a du travail. Il y a le temps pour le faire. On se posera cette question-là. On évoquera le cas Zidane. Est-ce que c'est une occasion manquée? Est-ce que les Bleus... Je pensais qu'il n'y avait que Tom Siravino qui faisait dans l'humour dans cette émission, mais l'animateur en fait aussi. Ah, bon. Est-ce qu'il peut y avoir un projet de jeu pour l'équipe de France? C'est une blague marrante. C'est une occasion manquée pour Zidane. Est-ce que c'est un manque de respect de la part de la Fédé envers Zidane? Que va-t-il faire maintenant? On va se poser cette question-là. Et puis on terminera avec les coups à tenter. Il y a de la Coupe de France, il y a de la Cup, il y a de la Liga aussi, il y a de la Serie A. Donc il y a de quoi faire pour les coups à tenter du jour. On commence tout de suite par la prolongation de Didier Deschamps. C'est la causerie. Projet de jeu, la bonne blague. Effectivement. Didier Deschamps prolonge. Alors, comment vous l'avez appris déjà? Enfin, comment vous l'avez appris? Vous l'avez appris sur les réseaux sociaux, comment vous êtes senti quand vous l'avez appris? Est-ce que vous y attendiez? On parlera de la durée après, mais est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà, quelle est la première sensation, Walid, que tu as eue à 10h30 quand c'est tombé? Est-ce que tu t'es dit merde, ou est-ce que tu t'es dit putain, c'est plutôt cool? Bah, déjà, je m'y attendais parce qu'aujourd'hui, Didier Deschamps, on ne peut rien lui refuser. Surtout le président, enfin... L'homme qui sert de président à la Fédération française de football ne peut rien lui refuser. On sait très très bien pourquoi. Et pourquoi ce duo se mange dans la main. Donc je le craignais, je le redoutais, mais je le voyais venir. Parce qu'à partir du moment où il y avait des discussions, on savait très très bien qu'à partir du moment où il y avait le palier demi-finale franchi pour Didier Deschamps, donc il allait être prolongé, au moins de 2 ans, hein, mais que si ça continuait à bosser et qu'il y avait encore des discussions pour que Didier Deschamps négocie, je pense pas que c'était qu'une histoire d'argent, c'était une histoire de 2 ans ou 4 ans. On l'avait déjà dit. Voilà, on l'avait déjà dit dans les dernières émissions. Et donc voilà, quand l'info arrive, je suis énervé. Mais je ne suis pas surpris. Je vous pose la question, les Winamis, un peu dans ce style-là, via cette question-là. Didier Deschamps qui prononce, est-ce que c'est une bonne chose? Vous répondez oui ou non sur les différents chats, sur le chat Winamax, sur le chat Twitch et sur le chat YouTube. Tu disais que c'était intéressant tout à l'heure parce qu'il y avait énormément d'avis contraires. On va le voir là, via ce sondage-là. Comment tu t'es senti, toi aussi, quand tu as appris ça? Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu as été... rassuré peut-être? Est-ce que tu as été, tu t'es dit, 2026, un peu embêtant?
Surprenant, parce que c'est quand même une décision qu'on voyait se dessiner depuis maintenant quelques semaines. Pendant la Coupe du Monde, il y a eu cette communication qui s'est enclenchée, et même un peu avant la Coupe du Monde, qui remettait à Deschamps les clés de son propre destin, à savoir que tout était conditionné par le résultat sportif. À partir du moment où cet objectif des demi-finales était atteint, on savait qu'il allait prendre la main et que ça le mettait en position de force, surtout. Moi, c'est ça que j'ai envie de retenir avant tout, c'est d'avoir une réflexion peut-être un petit peu plus antérieure encore, c'est de se dire qu'au sortir de l'Euro 2021, Didier Deschamps était fragilisé, parfois critiqué, tout du moins, il y a eu un vent de contestation par rapport à sa gestion. Et une remise en question de sa gestion, ce notamment humaine. Qui était quasiment inédit. Parce qu'il faut savoir que depuis que Deschamps a pris l'équipe de France en 2012, d'abord, on l'a remercié d'avoir redonné une éthique à cette équipe et de l'avoir emmené en quart de finale en 2014, ce qui était à l'époque un bon résultat. Ensuite, on l'a vu emmener l'équipe de France sur deux finales consécutives, 2016-2018. Donc là, évidemment, sportivement, ça a encore plus entériné sa stature. Et finalement, en 2021, c'était le premier moment où il était dans une vraie zone de turbulence à devoir gérer médiatiquement des choix qui étaient contestables et une déception sportive. Et un an plus tard, alors au bénéfice, bien sûr, de ce très bon parcours, mais aussi au bénéfice d'une stature qui s'est renforcée par rapport à, je pense, la mainmise qu'il a aussi sur, je ne vais pas dire l'appareil fédéral, mais sur un certain nombre de paramètres. Oui, tu peux le dire, oui. Et bien aujourd'hui, Didier Deschamps est renforcé et non seulement il est dans une position où il peut se permettre de choisir s'il reste ou pas, mais il est dans une position où il a pu se permettre de décider combien de temps il resterait ou pas. Donc pour moi, c'est assez représentatif finalement du pouvoir tout simplement qu'il a et de la marge de manœuvre qu'il peut se permettre d'avoir au sein du football français. On peut appeler un chat, on est proche quand même d'une dictature. Non mais on est très proche. Oui et non. Non, moi je te dis qu'on est très proche de, parce que il y a une image qui est encore plus renforcée, parce que tu as parlé de l'annonce, mais après derrière il y a la petite vidéo qui circule notamment sur les dans les médias où t'as. Moi je vais en parler. J'aimerais en parler. On en parlera après. Mais Didier Deschamps qui s'exprime, c'est même plus Noël Le Graët qui s'exprime. Tu vois la tronche de Noël Le Graët à côté. Non mais c'est Didier Deschamps quand même qui vient. Je sais pas si j'empiète sur ce que tu voulais dire, Latine, mais... Je compléterai. Moi c'est assez choquant quand même comme image. J'espère que ça vous plaira. En envoyant des petits... Il parle à l'Assemblée Générale. Voilà. Hein. Il parle à l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football. Je prends le micro, c'est moi je parle et puis j'ai la... J'essaie d'être poli, hein, mais... La lavette, là. Il a accepté, il a... Non mais c'est... Je sais pas moi si on se rend compte, mais c'est quand même assez... C'est quand même assez fort ce qu'on voit entre, non pas 2024, 2026, donc je mets un plus 4 à Zinedine Zidane, je l'écarte d'un revers de la main, et surtout je rajoute, même dans la forme, une stature en mode, mais rien ne peut m'arriver. Et tu veux, moi j'allais plus loin, parce qu'on va parler de Noël Le Graët, mais je suis même pas sûr que moi Noël Le Graët parte après l'audit, hein. Parce qu'encore une fois, on se rendra compte sur les prochaines semaines qu'il s'en sortira. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que je ne sais pas si vous avez lu le communiqué de l'équipe de France, mais dedans, on n'a pas besoin de le montrer parce que ce n'est pas la partie que j'ai sortie, mais on met à chaque fois la Fédération Française de Football et son président Noël Le Graët ont décidé de prolonger Didier Deschamps. La Fédération Française de Football et Noël Le Graët avaient décidé de l'engager. Donc il y a toujours le nom de Noël Le Graët qui vient à côté, comme s'il fallait les associer véritablement et que ce soit un duo qui marche main dans la main, quoi qu'il arrive. C'est pas anodin d'avoir des éléments de communication comme ça, là, quand on sait tout le contexte qu'il y a autour. J'ai même envie de te dire, dans la séquence qu'on vient d'avoir de cette prolongation, parce que la prolongation, on l'attendait finalement, mais la façon dont tout cela est communiqué et orchestré, moi je trouve ça extrêmement représentatif, extrêmement éloquent.
Walid a utilisé le terme de dictature, bon, qui peut en faire bondir certains. J'ai vu dans le proche, chat. Après, je dis proche. Non, non, mais proche. Hein, pour... Après, on est dans une émission de foot, les copains. Donc évidemment que on n'est pas là à comparer quand on parle de dictature ce qu'exerce la Fédération française par rapport à ce que peuvent exercer des régimes politiques dans le monde. Je pense que chacun a le recul ici pour savoir que on est juste dans l'image à l'idée, à l'échelle. Voilà, foot. On est dans la métaphore. Mais je pense que dans le principe, vous avez à peu près compris et faut pas faire semblant d'être idiot. Moi, je vais pas parler forcément de dictature, mais je vais parler d'une sorte de cérémonial, un peu de régime autocratique finalement. Ce qui est pas très loin d'une dictature. On joue sur les mots, mais pourquoi ? Parce que et déjà le régime autocratique, c'est un peu ce qu'est concrètement ce duo. Parce que quand on est à ce niveau de confiscation du pouvoir sur plus d'une décennie qui pourrait s'étendre à 14 ans. Je suis désolé, mais quand certains organes gardent le pouvoir aussi longtemps, que ce soit dans des régimes politiques ou dans des entreprises, on parle de régime autocratique ou de dictature, c'est selon. Mais pourquoi moi je trouve que la com, elle est très intéressante et que la forme, elle est très intéressante. C'est qu'on n'est pas sur un simple communiqué, ce qu'aurait pu faire la Fédé, ce que fait très souvent la Fédé, communiquer. Didier Deschamps et prolonge. Ça a été le cas, je pense, sur les dernières fois. On n'est pas non plus sur une interview, tu sais, l'exercice où Didier Deschamps va voir ses copains journalistes, ou du moins les journalistes qui l'ont à la bonne. Il y en a un certain nombre. Certains étaient très certainement là aujourd'hui pour l'applaudir. Et va, dans une grande interview, expliquer qu'il prolonge. Ou alors Noël Le Graët, dans une grande interview, va expliquer pourquoi il prolonge Deschamps. Non, là, on est sur une assemblée générale. Donc, il y a un peu l'idée, justement, de contrer, selon moi, l'idée qu'on se ferait d'un régime autocratique. C'est en mode, regardez, tous ceux qui ont voté pour nous, ils sont là. Donc, on fait ça dans un cadre démocratique, comme si on cherchait à légitimer le fait que ce n'est pas une annonce qui est faite dans la discrétion du petit bureau de Noël Le Graët, mais que tout ça est validé par tout le monde, par le système fédéral, par les journalistes qui sont là. Donc pour moi, il y a vraiment un message très très concret en fait dans tout ce cérémonial et dans tout ce qui est mis en place aujourd'hui dans l'annonce. Et Walid a eu raison aussi d'insister là-dessus. Je trouve que ça n'est pas anodin que ce soit Didier Deschamps lui-même qui fasse cette annonce-là. Tu décris la scène, je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de Star Wars, mais j'ai l'impression que tu me décris la dernière scène de Star Wars 3, là, quand en gros le Seigneur Sith est élu empereur. Quoi. Mmh. Il est élu empereur et ensuite il va amener la dictature qui va donner tous les... J'ai l'impression que c'est comme ça, où il est à l'intérieur du Sénat là, et il est applaudi par tout le Sénat qui vient d'élire empereur. Et tu as eu raison d'insister aussi sur les éléments de langage qui sont utilisés dans la communication officielle. C'est que le message très clair aujourd'hui voulu par la Fédération française et par le football français, parce que tout ça est fait, il faut quand même pas l'oublier, sous le regard un minimum suspicieux du pouvoir politique, par rapport à tout ce qui se gère en ce moment avec l'audit de la FFF et les tensions qu'il y a entre le ministère des Sports et la FFF. Et quand on sait que Macron adore Didier Deschamps. Adore Didier Deschamps, mais qu'en même temps... Il a quand même dit pendant la Coupe du Monde qu'il fallait continuer avec Didier Deschamps. Oui, exactement, mais qu'on sait aussi que parallèlement, la position de Noël Le Graët devient intenable et que politiquement, ça devient intenable. Et bien aujourd'hui, pour moi, le message très clair qui est envoyé à travers la com... On va parler de ce qu'envoie le message jusqu'en 2026, mais moi je te parle juste par rapport à l'aspect de communication, c'est qu'aujourd'hui, c'est un système qui reconduit Le Graët et Deschamps, surtout Deschamps. Ce n'est pas Le Graët qui, dans son coin, fait sa petite tambouille avec Deschamps. Je pense que le message qu'on veut envoyer, c'est ça. Non, maintenant, est-ce que ça marche ? Le système protège Deschamps. Parce que Deschamps sait très bien que Macron l'adore, que Macron a dit explicitement. Après, je crois, le match contre le Maroc, je veux que Didier Deschamps reste. Didier Deschamps doit rester. Donc, ça serait bien. Non, il est en France, ça serait bien. Ouais. Il a dit, moi, j'appelle de mes voeux, je veux que Didier Deschamps reste. C'est quand même une ingérence politique, non ? De faire ça par rapport à... La Fédération française de football est dépendante du ministère. Disons que quand c'est le Cameroun... Et que t'as Paul Biya qui s'ingère dans le sportif pour dire qui veut qu'il soit capitaine de l'équipe ou qui ferait un bon sélectionneur ou pas, on en riait un petit peu il y a quelques années. Et aujourd'hui, quand ça se passe en France, on a...
Quand Macron est dans le vestiaire sur les trois matchs en faisant des discours, t'as les trois matchs en faisant des discours, t'as l'impression qu'à un moment donné, il va donner le 4-2-3-1. L'importance du foot. Oui, c'est autre chose. On va pas tout mélanger, mais oui, c'est bien de le rappeler parce que ça conditionne aussi le choix. Et à un moment donné, quand Noël Le Graët fait un choix et qui le légitime par la présence de l'appareil fédéral, alors que on sait très bien que c'est une discussion d'homme à homme et que c'est un président de la République qui a choisi son premier ministre, oui, qui a choisi de prolonger l'aventure de son premier ministre parce qu'il estime qu'il mène la politique qu'il a choisi le gouvernement qu'il voulait, on est dans ça, en fait. Et pour terminer là-dessus, c'est que moi, je pense que tant que Le Graët sera là, Didier Deschamps, ça peut durer 30 ans. Tant qu'il aura décidé de continuer à entraîner en équipe de France, parce que Noël Le Graët ne pourra jamais se couper de ce cordon ombilical. Et ça, c'est quand même un véritable problème. Parce que Didier Deschamps nous a souvent dit « Ah non, mais moi, c'est pas mon équipe de France. Ah, moi, c'est l'équipe de France de tous. Ah, moi, je suis pas là pour accaparer l'équipe de France. » Mais mon copain, en demandant 2026, à la limite, moi, je suis pas un grand fan de Didier Deschamps. Tout le monde le sait, mais... Il t'a dit demi-finale, tu décides. Bah, c'est de la faute de Le Graët. Demi-finale, tu décides. Il t'a donné 2024, tu demandes 2024. Non, il a demandé. Parce qu'il est en position forte par rapport à il y a un an. Ça change tout dans le rapport de force qu'il peut instaurer. Il a demandé 2026. Et en 2026, ce sera quoi l'objectif? L'objectif, ce sera quoi? Faire un huitième de finale, un quart de finale, une demi-finale? Et puis s'il bat, je sais pas moi, deux équipes moyennes pour aller en demi-finale, alors que l'équipe de France, c'est une équipe qui est resplendissante en termes d'individualité. Mais on va continuer jusqu'où? Et puis là, aujourd'hui, il faut savoir un truc, c'est qu'ils ont fait un tour de force et un tour de magie à Zidane. On en parlera après. Sans préambule, t'inquiète pas. Je vais pas y aller plein pot, mais ils t'envoient un plus 4 dans la tronche parce qu'ils savent très très bien que Zinedine Zidane... Ah! Et Deschamps le sait. Quand il parle de forme, notamment, quand je te parle de forme, de « je viens », etc., j'envoie un pic ou deux, « ah, j'espère que vous allez être contents », parce qu'il sait très bien que Zidane devait prendre la succession avant la compétition et que certains à la Fédé ont fait miroiter à son entourage que Didier Deschamps, Didier, il est fatigué là. Au bout de 10 ans, là je pense qu'on va tourner la page, etc. Cette tendance-là. Et que derrière, finalement, il prend le mec un plus 4 alors qu'il a refusé toute la terre. Juste, pour rester sur Didier Deschamps, et on nous dit on est ingrat avec Didier Deschamps, etc. On va revenir ensuite, on va dire brièvement si cette prolongation est quand même sur ce qui s'est passé, sur les résultats et sur ce qu'on voit sur le terrain, si c'est mérité ou non. Parce que mais ingrat, attends, Romain, mais ingrat de quoi? On va y venir après. Ingrat de quoi? À un moment donné, tu ne peux pas être prolongé 4 ans de cette manière. Non, c'est ça la question que je veux poser. C'est ça la question qu'il faut poser. Qu'est-ce qu'on fait dans 2 ans si ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on fait? La fédération va devoir soit payer de grosses indemnités à Didier Deschamps, soit refaire un recul-frein. Donc arrêter à un moment donné de dire on est ingrat. On n'est pas ingrat. Est-ce que justement, ce 2026 à la place de 2024? Parce que d'habitude, les prolongations de Didier Deschamps, là, pendant cette dizaine d'années, ont souvent été de 2 ans. Souvent un bilan... après une compétition. Là, il se trouve que la prochaine grande compétition, c'est dans un an et demi avec l'Euro 2024 déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec la durée de la prolongation? Parce qu'il y en a qui peuvent être d'accord peut-être avec le fait que Deschamps reste et trouve que c'est une bonne chose, mais est-ce qu'avec la durée de la prolongation, vous êtes d'accord? Vous répondez par oui ou non sur les différents chats, sur YouTube, sur Twitch et sur Winamax. C'est là où il y a peut-être le bas qui blesse encore plus, c'est sur ce que Walid appelle le plus 4, 4 ans, enfin 3 ans et demi de plus, automatique, quoi qu'il arrive après l'Euro 2024. En fait, ce qu'il y a en filigrane derrière cette durée de prolongation, c'est qu'en fait, tu as donné un blanc-seing à Didier Deschamps dès le départ. Donc moi, à la limite, j'ai pas de problème. Si on estime, et il y en a certains qui l'estiment, que Didier Deschamps a légitimement gagné le droit de choisir, et on a fait des débats là-dessus dès le lendemain de la finale, où moi je disais, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise à Didier Deschamps? Il a des résultats, et on parle d'un coach qui a légitimé sa présence à la tête de l'équipe de France depuis maintenant 10 ans, sur le fait qu'il avait des résultats. À partir du moment où c'est ça le juge de paix, Didier Deschamps reprend le contrôle de son destin et il le fait en plus avec un timing qui est parfait parce qu'il sort d'une finale de Coupe du Monde. Maintenant, est-ce que ce n'est pas dangereux, risqué, hâtif de
malgré tout, lui donner autant de latitude, parce que, comme tu le dis, l'emmener jusqu'en 2026, ça veut dire que, en gros, tu l'emmènes jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Moi, par rapport à ce que j'entends être un processus de développement au niveau fédéral, avec des joueurs que tu dois faire monter, avec peut-être, pourquoi pas, quand tu es sur un mandat aussi long, une identité à donner à ton équipe, de remettre ça, entre guillemets, un petit peu moins entre les mains de la Providence, parce que je sais qu'on a souvent parlé de chance, de miracle en ce qui concerne Didier Deschamps. Je ne vais pas aller jusque-là, mais malgré tout, tu as quand même fait en sorte que souvent les planètes s'alignent bien, et on ne peut pas dire qu'au niveau du style, tu es vraiment connu une révolution dans ce qu'a fait Deschamps depuis qu'il est arrivé. Voilà, en fait, tout dépend sur quels critères tu te bases pour décider qui mérite de choisir. Et aujourd'hui, c'est le résultat, Romain. C'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu as un coach qui a comme leitmotiv le résultat et qu'on estime au-dessus de lui qu'il a des résultats et que la Vox Populi est contente parce qu'il a des résultats, Mais Tidiane, s'il vous plaît, Même si c'est pas mon avis. Non, mais c'est quoi les résultats? Bah c'est des finales. Voilà. On va tout gagner, certes. Voilà. Donc maintenant, on va se mettre. Trois finales sur les quatre dernières grandes compétitions. Donc maintenant, on va se mettre vraiment d'accord, j'espère, sur c'est quoi les résultats qu'il faut en équipe de France avec cette équipe de France là. Parce que quand il gagne 2018, on ne débat pas. On ne débat plus parce qu'il gagne. Quand il ne gagne pas, on ne débat plus parce qu'il ne gagne pas. Mais c'est quand même un résultat. Et quand il s'effondre, comme en huitième de finale d'Euro face à la Suisse, on ne débat pas non plus parce que c'est un accident. À quel moment, avec Didier Deschamps, en fait, on peut débattre? À quel moment? Parce qu'on parle à chaque fois de Didier Deschamps qui ne veut pas s'accaparer l'équipe de France, mais encore une fois, dans une Coupe du Monde où tu as été mangé par l'Angleterre, où le Maroc est rentré 28 fois dans ta surface de réparation, où pendant 80 minutes tu as été mangé contre l'Argentine avant que l'Oura Football arrive à 2-0 alors que ça doit faire 3-0 à la 100e minute, tu as fait finale de Coupe du Monde, tu ne sais pas trop comment, d'accord? Tu as perdu cette finale de Coupe du Monde. À quel moment, en fait, on peut débattre des résultats? Parce que sur les prochaines échéances, s'il fait demi-finale à l'Euro, ce sera un résultat? Probablement que oui. D'accord. S'il fait finale à l'Euro, ce sera un résultat? S'il fait huitième de finale ou quart de finale, et je sais pas moi, il envoie du jeu en quart de finale et il perd au sort. Pour toi, un résultat, c'est la victoire et rien d'autre. Mais c'est ce que nous vend Didier Deschamps. C'est ce que nous emmène le processus de Didier Deschamps. Et donc même ça, avant, on nous l'expliquait en 2018. Parce que le processus, en fait, au bout de 6 ans, quand t'as une finale contre le Portugal, ok, t'es dans un processus. Et que tu gagnes en 2018, t'arrives à la fin de ce processus où les détracteurs, dont je fais partie, de Didier Deschamps, sont animé par la victoire, par la gagne. Oui, mais il y a la gagne. Sauf qu'à un moment donné, quand il n'y a plus la gagne, d'accord, et qu'on t'invente encore une fois un résultat qui est similaire à la gagne, sauf que ce n'est pas la gagne. Ce n'est pas ce que nous donne Didier Deschamps. Didier Deschamps, quand il commence une compétition, c'est pour la gagner et il ne te parle que de ça. Victoire, 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 victoire. J'ai la recette pour aller gagner. Et tout ce processus, 2 ans, le 3-5-2, qu'on annule une semaine ou 2 semaines avant la compétition, tout ça, etc., sur un processus de 4 ans, jusqu'en 2026, expliquons-nous c'est quoi les objectifs. Parce que si les objectifs, Tidiane, c'est de faire un quart de finale d'Euro ou une demi-finale de Coupe du Monde ou une finale de Coupe du Monde avec cette génération, la génération Mbappé, je te dis que les objectifs ne sont plus les mêmes qu'en 2016. À partir du moment où tu as fait 14 ans, ou 10 ans, ou 12 ans dans une sélection, que tu as le meilleur joueur de sélection au monde, que tu as un puits sans fond avec des mecs, tu sais même pas d'où ils sortent. C'est pour ça que la méthode ne changera probablement pas. Mais mettons-nous d'accord sur les résultats, parce qu'en fait, le problème de Deschamps, c'est qu'il a anesthésié tous les débats. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, le résultat sera maquillé. 8e de finale contre la Suisse, ouais. C'est un accident. Mais donc, ça veut dire que là, si on fait huitième de finale ou quart de finale à l'Euro, on perd au tir au but, comme contre la Suisse. Mais qu'est-ce qu'on dira? Ouais, mais c'est un accident, il a fait finale. T'imagines? Il était quand même à un but de Colomboigny de gagner la Coupe du Monde. Donc, on va repartir en 2026. Et puis, en 2026, on lui donnera quoi comme objectif? Un quart de finale, une demi-finale. Et Mbappé qui va aux États-Unis, accompagné de Tchouaméni qui aura pris 5 ans, accompagné d'un tel qui aura pris 5 ans, des défenseurs centraux qui seront titulaires partout, etc. L'objectif, ce sera, ouais, tu fais un quart, une demi, ce sera très bien déjà. Et cette équipe qui est tête de série, cette équipe qui a une poule de Coupe du Monde à chaque fois à Barda parce qu'elle l'a mérité par rapport à ses résultats, on va encore une fois, en termes de résultats,
se, comment dire, se satisfaire de finale. Après, le fait est que, oui, il y a une partie de l'opinion et très probablement de l'appareil fédéral et politique qui estime qu'une demi-finale ou une finale dans un grand tournoi majeur, c'est déjà un résultat. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas quelque chose dans l'histoire de l'équipe de France qui est classique. C'est-à-dire que depuis 1998, on a des résultats qui sont bien au-dessus de toute l'histoire de l'équipe de France. Bien sûr. Par rapport à ce qu'on a eu par le passé. Mais le problème, il y a aussi Romain, ça qui est à prendre en compte. Romain, c'est qu'il faut arrêter à un moment donné. Écoute, c'est pas Jacques Vendroux à la place de Sidney Embo. Je suis pas Jean-Michel Larqué. On n'est pas en 80. On n'est pas en 90. Encore une fois, le football, il a changé, comme dirait le leader technique de l'équipe de France. La dynamique de l'équipe de France a changé, la stature, l'expérience de l'équipe de France a changé, la qualité dans cette équipe a changé. Il faut arrêter à chaque fois de dire « oui, mais en 90, oui, en 2000 ». Oui, mais à un moment donné, avec l'équipe qu'on a, je suis désolé, je le répète, mais un autre sélectionneur sur 10 ans, avec Mbappé, peut aussi faire les mêmes résultats. Il n'y a que Didier Deschamps aujourd'hui en France qui est capable de faire ce que fait Didier Deschamps. On se pose la question, mais non, mais à part en fait, Zidane, derrière, c'est quoi en fait derrière Zidane. Oui, mais ils n'ont pas choisi Zidane. On va y venir. Mais alors, j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui peut faire des résultats. Je fais juste un point sur les finales. Je fais juste un point sur le deuxième sommaire. Je rappelle que Raymond Domenech a fait une finale de Coupe du Monde. Et que lui aussi, il était à un penalty de gagner une Coupe du Monde. Je le rappelle. On peut mettre le sommaire ou pas? Non, mais je le rappelle parce que Raymond Domenech a fait quand même une finale de Coupe du Monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, ben ça veut dire qu'il y a des sélectionneurs qui peuvent faire des finales de Coupe du Monde. Voilà. Ah, mais j'ai l'impression qu'en France, il y a que le deuxième sommaire qui peut le faire. Le deuxième sommaire, je l'ai changé, j'avais mis une prolongation méritée, mais c'est plutôt, la question que je pose, c'est plutôt, est-ce qu'il y a un projet qui est possible? Projet qui est possible. Je vous montre, parce que tu parlais des résultats, mais je vous montre les communiqués que la Fédération française de foot a publiés tout à l'heure. Dedans, il y a les rappels des bilans. Forcément, nommé le 9 juillet 2012 par Noël Le Graët, là encore par Noël Le Graët, Didier Deschamps prend un bilan exceptionnel à la tête de la sélection nationale, 89 victoires, 28 nuls, 22 défaites en 139 matchs, 279 buts marqués pour 119 encaissés. La deuxième déclat dans le communiqué rappelle bien sûr le palmarès. Sous sa direction, l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde 2018, la Ligue des Nations 2021, atteint la finale de l'Euro 2016 de la Coupe du Monde 2022. Elle pointe actuellement à la troisième place du classement FIFA, au sein duquel elle a toujours figuré dans les quatre premiers ces cinq dernières années. Mmh. C'est important quand même de le rappeler. C'est vrai. Oui, on est. C'est vrai, mine de rien. Encore une fois, et on revient sur l'aspect de communication qu'on a évoqué tout à l'heure en préambule dans l'émission, c'est que là, on est dans une espèce de façon de légitimer le bilan, un petit peu comme le ferait un gouvernement sortant qui est reconduit et qui estime qu'il peut continuer à mener à bien sa mission parce que voici ce qu'ont été mes résultats. Et qu'importe la façon. Qu'importe le biais qui a été utilisé pour obtenir ces résultats, ce qui est important, c'est le résultat. C'est le résultat. Et c'est pour ça que, moi, à la limite, je suis plutôt dans le camp de Walid par rapport à l'idée que je me fais de comment on construit une équipe et du fait que le jeu doit être un moyen qui te donne plus de certitude d'avoir un résultat. Moi, j'aimerais que ce soit cette approche-là qu'est le sélectionneur ou le futur sélectionneur, parce que j'estime que c'est ce qui te donne le plus de certitude de t'en rapprocher de ce résultat. Si t'y vas en sachant comment t'y vas et sur quelle force t'appuyer, pour moi, t'auras toujours plus de chances de gagner ton match ou ta compétition qu'en misant juste sur la simple force de tes individualités et sur ton approche mentale en te disant « nous, on sait faire des résultats, on va faire des résultats ». Et c'est pour ça que moi, j'entends les comment dire les. Il y a des mecs qui pensent. Je vois les messages passer dans le chat qui les estiment comparé, que Deschamps a sa légitimité du simple fait qu'il a des résultats. Je l'entends ça. Encore une fois, il y a pas de problème. Mais encore une fois, n'insultons pas l'éventualité qu'il puisse y avoir que tout ça puisse aussi prendre fin. Et anticiper, c'est le but de la fédération. Quand on est une institution forte, quand on met en place des hommes de pouvoir qui ont la possibilité de changer les choses, comme c'est le cas de Didier Deschamps, moi je pense que il faut avoir une vision. Et cette génération incroyable dont Walid parlait juste avant, est-ce qu'elle peut en elle-même te suffire à obtenir des résultats à l'avenir? Peut-être. Peut-être qu'elle suffira, peut-être que ça suffira d'avoir un Mbappé générationnel accompagné de 11 soldats qui, mis dans les meilleures conditions, te permettront, pendant les 2, 3, 4 prochaines compètes, d'avoir ta demi-finale, ton quart de finale, ta finale. Pas de problème. Mais moi, c'est vrai que je trouve ça dommage quand tu as la possibilité de t'inscrire sur le temps long, comme c'est le cas de Didier Deschamps, de ne pas avoir
quelque chose en plus. Alors, on le sait maintenant, ça ne sert plus à rien qu'on s'attende à ça, parce qu'on sait que le style des choses, là, c'est là, pas ça. Là, on est complètement résigné, on sait que ça ne changera voilà, pas. Voilà, exactement. Donc, maintenant, quelque part, il y a un peu un vœu pieux dans ce que nous, on formule aujourd'hui, à se dire pourquoi on n'a pas un sélectionneur qui met en place quelque chose vraiment en s'appuyant sur le jeu de son équipe, beaucoup plus que sur l'aspect, voilà, la dynamique de groupe, etc., etc. On le dit en sachant pertinemment que c'est la dynamique de groupe maintenant. Hein. Non, mais quand je dis la dynamique de groupe, c'est ce qu'il arrive à créer pendant une compétition. Et ça, c'est une compétence indéniable de Didier Deschamps, d'arriver à créer un groupe. Après, on peut pinailler sur la façon dont il va gérer ce groupe, notamment les relations humaines qu'il a avec les joueurs, le fait qu'il peut éliminer des mecs d'un coup de bique, qu'il peut en renvoyer certains, qu'il peut en rappeler certains. Donc moi, je ne vais même pas parler de la gestion humaine, je vais parler de la constitution de groupe, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais là-dessus, il est très bon. Mais est-ce qu'on peut se contenter de cette aptitude-là pour lui donner autant de temps et de crédibilité sur le temps long? Moi, je dis attention, parce que les bons résultats d'hier ne te garantissent pas ceux de demain. Et l'objectif d'une fédération, c'est quand même d'anticiper aussi tout cela. Tu voulais réagir dessus et après on passe à Zidane. Non, je voulais juste dire déjà, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris la comparaison. Il n'y a pas de comparaison entre Domenech et Deschamps. Je voulais juste vous faire comprendre que Didier Deschamps n'est pas le seul entraîneur français ou sélectionneur français disponible aujourd'hui qui est capable de faire des finales avec cette génération-là, tout simplement. Moi, je dis que demain, Didier Deschamps a eu 10 ans en équipe de France. 10 ans, et donc il va avoir 14 ans en équipe de France. Avec 14 ans à la tête de cette équipe de France-là, je te dis sincèrement qu'il y a beaucoup de sélectionneurs, pas beaucoup, mais j'en connais, que je pense être persuadé qu'avec cette génération Mbappé notamment, je pense qu'il y en a pas mal qui sont capables de faire des gros résultats. Il faut rappeler aussi que, voilà, dans mon football, hein, dans mon livre, hein, moi, Aimé Jacquet est resté 4 ans, il a gagné une Coupe du Monde. Que Roger Lemaire, il est resté 4 ans, il a gagné un euro. Voilà, que Laurent Blanc, par exemple, est resté 2 ans, il a perdu en quart de finale contre l'une des meilleures équipes de tous les temps en sélection avec l'équipe de France. Beaucoup n'ont pas eu la même chance. Je vous donne un exemple, mais Didier Deschamps, il fait quart de finale contre l'Allemagne, qui gagne la Coupe du Monde en 2014, il n'a pas sauté, lui. Il n'a pas sauté. Bon, il y avait moins de sélectionneurs potentiels remplaçants. Et puis il y avait un contexte différent. Il y avait un contexte différent. Il était arrivé il y a deux ans, et la mission à l'époque était autant une mission d'éthique et de restauration de l'image, rendre à nouveau l'équipe sympathique, que de résultats. Il n'y a pas de souci. Il faut le rappeler quand même. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, lui, Loël Le Graët, l'a pas fait sauter après un quart de finale contre l'Allemagne, d'accord? Donc, c'était plus après le 8e contre la Suisse pour moi s'il avait dû sauter. En 2021. Non mais donc encore une fois, il y a eu une confiance de la part du président que même quand ça se passait mal, enfin même quand il n'y a pas eu les résultats escomptés, je te prends l'exemple de Blanc qui saute après l'Espagne, notamment en quart de finale d'Euro, et Laurent Blanc qui saute pas en quart de finale après l'Allemagne, on nous a raconté une histoire. Il y avait une histoire beaucoup plus positive, comme le disait Tidjani, autour de l'équipe de France. Il n'y avait pas eu les fracas après l'Espagne, etc. Mais sur le jeu, sur les résultats, il n'a pas sauté. Derrière, il a fait finale d'Euro à la maison, où l'objectif c'était quand même de gagner l'Euro à la maison. Je ne sais pas si je me trompe. Il n'a pas sauté derrière pour gagner en 2018 la Coupe du Monde. Il a eu 6 ans de travail. 6 ans. 6 ans plus derrière, après la Coupe du Monde, il y a eu échec. Échec à l'Euro, il n'a pas sauté après l'Euro. D'accord ? Là, aujourd'hui, on lui dit, je répète, tiens, si tu veux continuer après 10 ans, il faut que tu fasses demi-finale. Il fait demi-finale, on ne lui donne pas 2 ans, on lui donne 4 ans. Je dis juste que moi, après, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ceux qui ne sont pas d'accord, il n'y a pas de souci pour le débat. Il n'y a aucun problème. Moi, je donne juste mon opinion et peut-être que je suis totalement dans le faux. Je trouve ça bizarre de donner 4 ans comme ça. Et je répète, mais moi, j'aimerais, par rapport au projet de jeu possible, qui n'existera jamais, on l'a bien compris, et c'est pour ça que je suis très, très énervé, c'est qu'en fait, je vais te donner 5 matchs, les 5 plus grands matchs de l'équipe de France sur les dernières années. Je vais même t'en rajouter un 6e. La Suisse, la Belgique en Ligue des Nations, l'Espagne en finale de Ligue des Nations, l'Angleterre, le Maroc, l'Argentine. Ça fait 6 matchs. Okay. Depuis 2021, les depuis 2018. Matchs, les depuis 2018. Oui, faut même depuis ouais, 2021. Voilà. 6 matchs. Sur ces 6 matchs, à aucun moment, j'ai une équipe de France qui, comment dire, a une idée de jeu où ils sont capables de faire, entre guillemets, d'agir. Ils sont dans la réaction, ils sont jamais dans l'action. Et moi, ce qui me dérange,
c'est que contre la Belgique, pendant 60 minutes, tu te fais balader et tu as besoin d'attendre 2-0 pour commencer à jouer au football. D'accord ? Que contre l'Espagne, pendant 60 minutes, tu te fais balader, tu as besoin du duo Mbappé et Benzema et du but de Benzema à la 77e minute pour réagir et pour gagner cette rencontre-là. Que contre la Suisse, tu as besoin du pénalty de Rodriguez à 2-0 pour commencer à jouer au football et à changer ton système de jeu. Que contre l'Angleterre, pendant 60 minutes, tu es baladé. Que contre le Maroc, je le répète, ils sont entrés 27 fois dans ta surface en leur laissant le ballon. Et contre l'Argentine, tu as eu besoin de 80 minutes et d'un coup du sort avec Kolo Muani et le penalty pour être dans une forme d'aura football et de commencer ta finale. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir un sélectionneur qui minimise, qui est dans le côté minimaliste à outrance. Alors, il y en a qui me diront, oui, Walid, 4 fois sur 6, ça fonctionne. 4 fois sur 6, ça fonctionne. 4 fois sur 6, il y a plus tard à la fin. Mais moi, je pense que 4 fois sur 6, c'est les individualités qui te rattrapent. Et c'est notamment Kylian Mbappé qui te rattrape, ou Karim Benzema en Ligue des Nations, ou même contre la Suisse. Et moi, ça me dérange. J'aimerais avoir un sélectionneur, si on peut parler de football, hein, si on peut débattre, hein, les gars, hein, tous ceux qui, depuis tout à l'heure, envoient des messages en majuscule avec des points d'interrogation. Si on peut en parler un peu de football, moi, ça me dérange, et j'aurais aimé avoir un sélectionneur qui essaie de remettre le football au cœur du débat. Mais après, il y a un point qui est important aussi. Vas-y, après, il faut qu'on passe à Zidane. Il y a une part aussi un petit peu de travail qu'il faut engager. C'est-à-dire que construire une équipe avec une identité, bah, c'est du travail. C'est du boulot. Là, aujourd'hui, tu as une méthode. Elle fonctionne. La méthode, c'est quoi ? Walid, je vais résumer un peu ce qu'il a dit. C'est, en gros, tu arrives à miser sur la force de tes individualités. Mais les individualités, si tu arrives à les sortir et à les former, c'est qu'au niveau fédéral, tu as aussi bien en amont de l'élite qui se retrouve dans le groupe France, c'est que tu arrives à fabriquer des joueurs qui rentrent dans ce modèle-là. Des joueurs, tu sais, les fameux prêts à l'emploi qu'on envoie s'aguerrir à l'étranger pour la plupart et qui nous reviennent avec un niveau de post-formation et de professionnalisation tel que notre équipe nationale peut en extraire vraiment le bénéfice. Mais préparer une équipe avec un style de jeu, ça demande un travail et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce duo-là, le Gret Deschamps, ne soit pas en fait dans une optique où ils sont dans l'économie de ce travail, parce que c'est aussi prendre des risques d'être une équipe plus proactive qui va de temps en temps perdre, comme l'Allemagne. Je voyais tout à l'heure, on comparait avec l'Allemagne, on m'a dit ouais, l'Allemagne, ils ont changé leur méthode, ouais, de faire. Mais sauf qu'ils ont mis 10 ans. Et c'est maintenant en fait qu'ils se rendent compte peut-être qu'ils ont mis trop de temps pour changer et qu'ils traînent dans cette période post-Joachim Löw des problèmes bien plus profonds, alors que pourtant, c'est pas la compétence d'Hansi Flick qu'on va remettre en question, vu ce qu'il a réussi à faire au Bayern Munich, et c'est pas la qualité des joueurs allemands non plus, parce qu'il y a, en termes de réservoir, peut-être l'un des meilleurs du monde avec la France et avec l'Angleterre. Il va avoir Mbappé de 28 à 30 ans, de 26 ans à 30 ans, mais on sera étonné quand il gagnera des trucs. Moi, ce que je te dis, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus qui peut gagner avec. Est-ce qu'on est vraiment étonné de voir Les décideurs, ce sont Noël Le Graët et Didier Deschamps, s'appuyer sur une méthode qui non seulement est plébiscitée par une partie de la vox populi, mais qui en plus, une fois sur deux, les emmène à ce qui est pour eux le leitmotiv absolu, c'est-à-dire le résultat. Moi, j'ai envie de te dire, ces gens-là, ils sont dans une approche de « on va pas changer une méthode qui gagne, on va pas changer une équipe qui gagne, on va pas bouleverser… » On a trop à perdre de changer un truc qui nous donne un minimum de résultats. C'est évident. J'aimerais qu'on passe à la deuxième partie de… Et juste, j'ai vu deux, trois messages, notamment Morgane, si on peut ban Morgane sur le chat. Parce qu'en fait, encore une fois, on parle de football, mais il y en a qui n'ont toujours pas… Bon. C'est dur, le football de sélection, parfois. On va passer à la deuxième partie, on va parler de Zinedine Zidane, c'est tout de suite dans Place au terrain. Place au terrain, j'aimerais qu'on revienne sur celui qui aurait pu remplacer Didier Deschamps, même si on n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien parce que maintenant, tout paraît incertain. C'est Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, j'ai mis occasion manquée. C'est l'impression qu'on a. Zinedine Zidane qui n'a plus de club depuis la fin de saison 2021. Donc maintenant quasiment bientôt 2 ans, 1 an et demi, bientôt 2 ans. Je vous pose la question, les Winamis, vous répondez par oui ou non.
Est-ce que c'est un manque de respect pour Zinedine Zidane, cette prolongation pour 4 ans de Didier Deschamps ? Prolongation dans un premier temps, 4 ans dans un deuxième temps. Tidiane, comment tu le sens, ça ? Ouais, c'est un message quand même assez clair. Le fait de donner 4 ans à Deschamps, on abordait ça depuis tout à l'heure par le prisme fédération et par le prisme Deschamps. Mais si on doit le faire par le prisme Zidane, c'est... Voilà, c'est... En gros, ça, t'es en salle d'attente et tu vas y rester. C'est ça l'idée. Alors, après, est-ce que Zidane et la fédération, est-ce que Zidane et Le Graët se sont rapprochés ? Dans quelle mesure ? Ont discuté ces derniers mois ? Je sais pas. Moi, je vais pas parler de ce que je ne connais pas. Mais non, non, pour moi, je ne vais pas aller jusqu'à parler de manque de respect, parce que pour moi, manque de respect, ça voudrait dire qu'il y a une promesse qui n'a pas été tenue, et ça, j'en ai pas l'information, donc je ne vais pas m'engager là-dessus. C'est peut-être là-dessus. Le cas, mais on n'en a pas l'information. Voilà, donc moi, je vais... Mais c'est clair qu'au niveau symbolique, là, clairement, oui, Zidane, tu le laisses en salle d'attente pour un bon moment, et je pense que lui va devoir reconsidérer les choses, parce que je pense que lui, pour le coup, il avait... Alors, dans le style très zidanien, montrer que c'était le challenge qu'il voulait avoir maintenant, et il ne l'aura pas avant à minima 2 ans, voire 4 ans. Donc, non, voire 4 ans. Il n'y a, okay, a aucun moyen. Si, on ne sait jamais si l'équipe de France à l'Euro se vautre complètement. On ne sait pas ce que sera la réalité. On dira qu'ils ont fait finale et que ça se joue à peu de choses. Qui sera le président de la Fédération française de football au sortir de l'Euro 2024 ? Moi, j'en sais rien, Wally. Donc, je ne peux pas te garantir aujourd'hui que la vérité de Deschamps, qui aujourd'hui se fait reconduire 4 ans, ce sera la même que celle de Deschamps en 2024, dans un moment qui sera quand même totalement différent. Est-ce que ça manque de respect pour Zinedine Zidane, Wally ? Moi, je pense que c'est un manque de respect, oui. Je pense que c'est un manque de respect parce que quand Zidane fait comprendre dans l'équipe pour ses 50 ans, il me semble, avant la compétition, que l'équipe de France était un objectif, que tu ressens vraiment qu'il a envie d'y aller, qu'il a mis en stand-by et refusé pas mal d'offres en Europe. On parle quand même d'un mec qui a gagné 3 Ligues des Champions, hein, qui s'appelle Zinedine Zidane. Les offres, il en a, il continuera à en avoir. Qu'il te dit que l'équipe de France, pour lui, c'est l'équipe de France. Qu'il te parle de ses souvenirs de joueur et de ce qu'il aspire à faire aussi en tant que sélectionneur. Qu'on lui fait miroiter, encore une fois, on sait très bien comment ça se passe. Noël Le Graët n'a pas appelé Zinedine Zidane en lui disant « Mon pote, t'inquiète pas, la place, elle est au chaud. On sait comment ça se passe. Toi, demain, t'as envie de me faire passer un message, mais que... par rapport à nos deux postes, c'est très très dur d'y aller en frontal. Tu vas passer par d'autres personnes dans mon entourage pour me faire comprendre en me disant, tu sais, Didier, 10 ans, ça commence à être long, etc. Il va y avoir peut-être une porte ouverte qui va s'ouvrir. Mec, il attend, il se prend un plus 4. C'est pas même à la limite. Hein. Déjà, il pensait qu'il allait prendre en janvier l'équipe de France. Il prend pas en janvier l'équipe de France. Il se dit, bon, il a bien compris à un moment donné. Une compétition dans un an et demi, on peut se dire, voilà. Bon, est-ce que c'est pas difficile à un an et demi d'une grande compétition de changer et donc peut-être 2024 quoi. 2024, non, il prend pas 2024, il prend 2026. C'est déjà la raison pour laquelle en 2021, il fallait pas, changer après la Coupe du Monde. Tout le monde était trop proche. Ouais, voilà, ouais. C'est avec Deschamps, de toute façon, il y a toujours un truc. Mais aujourd'hui, bien évidemment que quand il n'y a pas de... Moi, si je suis à la place de Zidane, je l'ai mauvaise. Parce qu'en fait, tu ne me donnes pas la possibilité, quand je dis que Deschamps s'accapare l'équipe de France, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, eh ben, ça continue. Parce que qu'est-ce qui te dit qu'en 2026, ça ne continuera pas ? Comme je disais tout à l'heure à Tidiani, il fait 2 demi-finales, une à l'Euro, une en Coupe du Monde. Il ne gagne pas. Mais il fait des demi-finales, il y en a qui te diront encore une fois, mais c'est des très bons résultats, pourquoi séparer de Deschamps ? On va continuer. Mais donc Zidane, il se met dans cette posture en disant, parce que 2026, mais ça peut être 2030. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il se dit ? Moi, j'ai fait, moi, j'ai pensé que, entre guillemets, c'était, ça pouvait être loyal, mais en fait, non, c'est pipé.
Quand je dis c'est pipé, c'est que quoi qu'il arrive, on trouvera quelque chose à Didier Deschamps continuer. Et puis ça dépendra pas forcément de lui à chaque fois. Et ça dépendra même pas du président, ça dépend de Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps a tellement de pouvoir. Et puis on connaît les inimitiés entre Deschamps et Zinedine Zidane. Pourquoi Zidane n'est pas venu à la finale de Coupe du Monde? Pourquoi? Il a été invité et il a refusé. Mais Didier Deschamps... Il n'avait pas d'œuf, je crois. Didier Deschamps, il a toujours vomi, entre guillemets, ce que pouvait représenter Zidane. Parce que Zidane, en termes de palmarès et en termes de sympathie, que ce soit en tant que joueur, même en tant qu'homme, il a toujours été préféré à Didier Deschamps. C'est comme ça, il y a toujours eu une forme de jalousie, parce que Deschamps c'était le besogneux, le travailleur, et Zidane l'artiste, la star. Et donc il se dit quoi? Attends, moi au bout de 10 ans je vais me barrer, je vais laisser la place de Zidane. Même lui en termes d'ego et en termes de stature, ça lui aurait fait mal de laisser à Zidane. Donc Zidane il se dit quoi là aujourd'hui? Moi je serais pas surpris, hein, que Zidane ne revienne plus en équipe de France tant que Le Graët est là, par exemple. Mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que Zidane ne reviendra pas en 2026 comme une fleur. Je pense que Zidane va reprendre un club. Je pense que Zidane, à un moment donné, si on lui pose la question, je ne sais pas s'il répondra, mais je pense qu'en ce moment, il l'a mauvaise. Mais le contexte, cette question, tout le contexte politique qu'il y a autour de Noël Le Graët est aussi très important, autour de Noël Le Graët et de la Fédé, et pour moi aussi très important dans les choix qui ont été faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Zidane, ça incarne une forme de rupture avec Didier Deschamps, par rapport au type de management, par rapport à la personnalité qu'il incarne et par rapport au fait que, Walid l'a dit, en gros, c'est pas la même crèmerie, c'est pas le même cercle, quoi. Du gars. Zidane, c'est ceux de 98, c'est plus le côté du gars, c'est le côté Lisa, voilà, c'est pas les mêmes relais, c'est pas les mêmes... Voilà, c'est pas le même univers. Et moi, je pense que dans la décision qu'a pris Noël Le Graët, il y a aussi une part de calcul politique, c'est-à-dire qu'il est dans une séquence où il ne peut pas se permettre de prendre des risques. Il ne peut pas se permettre de prendre des risques au niveau sportif parce qu'il est déjà dans une merde, excusez-moi l'expression, à gérer au niveau extra-sportif. Donc si tu rajoutes ce paramètre-là au paramètre du fait que c'est beaucoup plus risqué avec un nouvel entraîneur, c'est beaucoup plus, confortable de rester sur cet aspect très rassurant du Deschamps qui t'apporte ce à quoi tu t'attends, le résultat, etc. Pour moi, il y a une part aussi de calcul politique dans le fait de ne pas avoir promu Zidane à ce poste-là, parce que je pense qu'il y a 6 ou 7 mois, peut-être que ça aurait été différent. Parce que la fédération n'était pas dans la même tourmente. Dans la mouise. La position de Noël Le Graët était beaucoup moins fragilisée. Et donc, à cette époque-là, il aurait pu se permettre d'impulser quelque chose. Là, aujourd'hui, pour moi, il n'a plus la même marge. Parce qu'il est déjà acculé sur plein de paramètres. Alors, juste, une dernière chose. Je vais poser la question de savoir que doit faire Zidane. Juste, vous êtes plus de 1700. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ceux qui ne l'ont pas encore fait sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube, vous nous mettez des petits likes, ça nous aide énormément. Sachant que, et je termine Romain là-dessus, parce que c'était par rapport à Zidane aussi que je voulais rajouter ça, moi je ne suis pas non plus convaincu que si Zidane était nommé sélectionneur aujourd'hui à la place de Deschamps, je ne suis pas persuadé que tout de suite Zidane aurait eu les résultats qu'on attendait de lui. Maintenant, encore une fois, là on est sur une question de politique à mener. Est-ce que tu donnes du temps à un sélectionneur pour qu'il imprime quelque chose? Et Zidane n'aurait pas forcément fait une équipe spectaculaire, mais il aurait été dans une proposition peut-être un petit peu plus de consensus par rapport à Deschamps. C'est-à-dire qu'il aurait fait peut-être un petit peu plus de jeu et il aurait peut-être été un petit peu moins sur le résultat, encore que les deux ont une culture italienne, turinoise, des années 90. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais tu penses qu'il aurait donné 7 ou 8 occasions à Mbappé par match? Je pense qu'il aurait... probablement eu plus d'ambition dans le jeu que n'en a Didier Deschamps. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'en termes de résultats, Zidane ferait nécessairement mieux que Deschamps. Je pense si tu lui donnes 6 ans, donc 3 compétitions comme Deschamps, tu penses qu'en 6 ans, il ne gagne pas une compétition? Je n'en suis pas convaincu, Walid. J'en suis persuadé. Avec Mbappé? Avec le Mbappé? Je ne lis pas l'avenir, Walid. Mais pour moi, la différence majeure, elle est qu'il y en a un avec qui politiquement tu es sûr d'avancer quand tu t'appelles Le Graët, c'est Deschamps. T'en as un qui te garantit à peu près le résultat qui toi
politiquement te conforte. Mais quel résultat cet homme-là, c'est, il a gagné une Coupe du Monde en 10 ans. Oui, mais alors, ce sont des résultats, Wally. C'est pas mal, mais les résultats, j'ai l'impression qu'en fait. Oui, mais c'est parce qu'on en revient au débat qu'on faisait tout à l'heure. Aujourd'hui, pour ces gens-là, une demi-finale, une finale, c'est un résultat. Donc c'est quelque chose qui est suffisamment probant pour qu'on te renforce ta stature, pour qu'on te solidifie ton statut. Et aujourd'hui, on est quand même sur, et on en revient encore une fois à ce qu'on disait depuis le début de l'émission, sur une forme de confiscation, soit des postes fédéraux ou des postes de sélectionneurs, et pas uniquement de Didier Deschamps, mais à de ceux qui sont en dessous, les espoirs, les catégories de jeunes, etc. Et que tout ça, pour la plupart, sont des gens qui sont issus de l'appareil fédéral et qui veulent tous garder leur place. Donc à partir du moment où le maintien de Didier Deschamps légitime, non pas juste le grec, mais l'entièreté d'un système fédéral qui se nourrit de résultats. Pourquoi prendre le risque d'amener un mec dont tu n'as pas la conviction absolue qui va t'amener le même résultat, quand bien même on n'est pas d'accord sur la définition qu'on se fait d'un résultat. C'est de la répétition par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ouais, mais d'accord, mais c'est bon, on l'a déjà dit. Je vous pose la question, si on prend l'angle Zidane, si vous êtes Zidane, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai mis quatre possibilités. J'ai mis Real Madrid, Juventus, et j'ai mis deux sélections. Le Brésil qui a changé Tite et la Belgique qui a changé Roberto Martinez, qui pourrait, ça se trouve, être intéressé par Zinedine Zidane. Walid, si t'es Zidane, tu fais quoi? Je sais pas. Juventus pour moi. Non, Juventus? Je veux pas, la Juve. Pas la Juve, non? Moi j'y vais. Moi j'y vais tout de suite. Mais l'enfer. Pourquoi? Parce que il n'ira jamais dans un club en reconstruction, Zidane. Parce que justement, je pense que c'est le moment où peut-être il peut y avoir des, je vais pas dire des changements, mais je me dis que s'il y a un virage du côté de ce club-là par rapport à la politique menée dans les dernières années, le virage, il est maintenant. Donc c'est soit tu te dis, du côté de la Juve, que tu veux confier la reconstruction à un autre entraîneur, et ensuite faire venir Zidane. Mais moi, je pense que ça peut être un beau défi pour Zidane que de ramener la Juve parmi les meilleures équipes d'Europe, même si ce n'est pas pour tout de suite gagner une Ligue des Champions, aller à nouveau se mettre dans la course au titre en Serie A, et puis recréer un peu d'excitation autour de ce club qui, à ce niveau-là, décline quand même d'année en année. Moi, je pense que c'est un club, la Juve, qui a besoin de prendre un gros coup de fraîcheur et d'enthousiasme. Et je pense que Zidane peut amener ça, que lui connaît la maison. Moi, je vois pas pourquoi il n'irait pas. C'est Juventus qui est devant. Et après, c'est le Brésil. La maison, elle a quand même bien changé en 20 ans. Bien sûr, mais c'est pas pour autant que tu peux pas participer au ravalement de façade. Non, pour moi, Zidane, il y a deux solutions, Real Madrid ou Paris Saint-Germain en club. C'est tout? Ouais, pour moi, Zidane, il ira là où il peut gagner une Ligue des Champions. Ou continuer à écrire sa légende. Pour moi, c'est Real Madrid, PSG, équipe de France. Trois équipes qui, dans leur domaine... Une autre sélection, c'est non, pas possible. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que Zidane irait jusque-là, à part l'Espagne. T'imagines Zidane, à part l'Espagne, du Brésil. À part l'Espagne. Mais l'Espagne, je pense qu'il n'est pas assez espagnol dans son football pour prendre l'Espagne. Mais sinon, moi, je te dis... La Belgique, il ne pourrait pas? Non. Ah non, je n'y crois pas une seconde. Après, peut-être que ça va arriver, mais je n'y crois pas une seconde. Moi, pour moi, c'est Real Madrid. Mais le Real Madrid a pris Carlo Ancelotti parce que je pense qu'il est capable de demain... revenir, même si avec Pérez ça s'est mal terminé, mais je sais pas moi, dans deux ans par exemple, Mbappé arrive au Real Madrid avec Vinicius, ils ont une équipe de fous furieux, Bellingham, etc. Et il reprend le Real Madrid, ou sinon le Paris Saint-Germain. Si ça se passe mal cette année, voilà, avec Galtier, Vont, moi je serais quand même curieux de voir ce que peut faire la Juve avec un entraîneur à qui on donne, de par sa stature, du temps, du crédit et du pouvoir, parce que même si je suis d'accord qu'il y a eu déjà des meilleurs effectifs du côté de la Juve et des meilleures générations, moi je suis persuadé qu'avec ce qu'il y a là, tu peux faire un peu mieux que ce que fait Max Lagan depuis un an et demi. Il veut pas faire un peu mieux, il veut être challenger, ouais. Il veut être contender de la Ligue des Champions, Zidane. Bah, c'est pas exclu. La Juve, dans toutes les décisions qui ont été prises depuis 10 ou 15 ans, alors qu'ils ne sont pas toujours les bonnes décisions, mais à un moment donné, l'entraîneur que tu nommes, c'est aussi les joueurs que tu arrives à convaincre dans un projet. Moi, je te dis que Zidane, ça peut être un trop de boulot. C'est pas, je vais pas dire le game changer d'un projet, mais ouais, ça peut être un project changer. Non, moi, je pense que c'est pas un bâtisseur, Zidane. C'est une,
C'est une vision. Voilà. Que va-t-il faire? La Juventus l'emporte avec 44% des voix. Le Brésil, étonnamment, on n'en a pas parlé, mais le Brésil, il a 35% des voix. Vous imaginez Zidane au Brésil? Ce serait fou quand même, pour l'histoire, ce serait dingue. Là, le Real suit, et enfin la Belgique, il y avait aussi la possibilité pour Paris Saint-Germain. On ne va pas avoir le temps de faire les coups à tenter parce qu'il est déjà très tard et puis il y aura s'enfiler un peu après. Donc on va se quitter là-dessus. J'aimerais vous remercier, Walid et Tidiani, pour cette émission. Merci à vous, les Winamis, d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. Ceux qui ne les ont pas encore fait, vous pouvez le faire notamment sur YouTube. Vous êtes encore plus de 1700. Merci à Pierre et Nixo qui étaient en régie. Les prochains rendez-vous sur la chaîne de Winamax, c'est Sans Filet à 14h, tout à l'heure, avec Marie, avec Benoît, avec Julien, comme d'habitude. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Mais c'est vrai que je suis en train d'y penser. Le PSG, ça peut quand même redevenir une option qui va revenir dans le débat assez rapidement. J'ai pas l'impression qu'au Paris Saint-Germain, il y a un entraîneur qui soit pas sautable à tout moment. Ouais. Donc c'est, et ça nous ramène, ça passe mal. Ça nous ramène pour le coup au débat qu'on faisait sur le PSG en début de saison, avant que Galtier ne soit nommé, et sur le fait que Zidane était en salle d'attente pour l'EDF. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y est plus. Passez une très très belle journée foot. Il y a de la Coupe de France, il y a de la Cup, il y a de la Serie A, il y a de la Liga. Amusez-vous bien. Et on se donne rendez-vous demain dans le WSC. Ciao tout le monde. We'll be right back.